In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely d'une part, d'autre part. So, the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as. Linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well structured sentences. So this lesson is about d'une part, d'autre part. And the connector d'une part, d'autre part can be translated into various ways in English, including on one hand, on the other hand, for one thing, for another, and from one perspective, from another perspective. So we will see some examples with d'une part, d'autre part. D'une part, j'adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. D'autre part, j'aime aussi passer du temps chez moi. D'une part, j'adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. D'autre part, j'aime aussi passer du temps chez moi. D'une part, le film était très bien réalisé et les acteurs étaient excellents. D'autre part, l'intrigue était un peu prévisible. D'une part, le film était très bien réalisé et les acteurs étaient excellents. D'autre part, l'intrigue était un peu prévisible. D'une part, il aime la tranquillité de la campagne. D'autre part, il apprécie l'effervescence de la vie en ville. D'une part, il aime la tranquillité de la campagne, d'autre part, il apprécie l'effervescence de la vie en ville. D'une part, le restaurant a une vue magnifique sur la mer, d'autre part, les prix sont un peu élevés. D'une part, le restaurant a une vue magnifique sur la mer. D'autre part, les prix sont un peu élevés.